Bonjour tout le monde, du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire la panda craft. Ouais, la panda craft. Donc on va développer ça et on se revoit tout de suite. Donc voilà, on va couler le hack. Alors là je vais suivre tous les verts, donc je vais faire comme ça pour arriver ici. Après je vais attaquer les rouges. Voilà. Voilà. Maintenant. Alors. Alors, un col et trois plaques grâce au rectangle double adhésif. Donc ça c'est fait. 2. Relie les croix par couleur pour former. Alors là on va coller le 3. Ici, il faut que je fasse ça ici. Non mais ça ici.
Ensuite, donc, tout ça est fait, on va attaquer au B, la tête. Maintenant que tu as vu la forme de l'abeille, assemble ta maquette. Alors on va prendre la maquette. Voilà. Non, c'est pas celle-ci. Aussi les trucs à l'île. Si c'est celle-là. C'est elle. Okay. On va prendre l'adhésif. Alors, un, colle. Est-ce que tu veux un adhésif? Ça là. Il y aura besoin d'un petit bleu. Là, on va plier ça, tu fais cette partie-là. Ouais. Je monte. Vas-y. Voilà, la suite. Alors, plie sur les traits bleus. Plie sur les traits bleus. Allez, la saucisse est pliée. Voilà. Et là, il nous faut ça. Alors, ça. Alors, donc, il fallait juste qu'on prenne ce qu'il y avait là. Donc, voilà. Et on va devoir les mettre. Elle est où le livre, s'il te plaît? Et coller juste ici, mais pas trop sur le truc, comme ça, très sur le coup. Les languettes 1 et 2, je vais passer une languette. Oui, j'ai pas besoin en fait. Non, oui. Ensuite, il faut que tu raccroches tout le coup. Il faut faire raccrocher tout. Ah ouais, ça va. Attends, je vais faire tout le coup. Il faudra assembler la languette 1 et le chercher la languette 1.
comme ça. En fait, on ne t'aurait pas dû faire tout de suite. Mais ça a l'air que t'es pas venu là. Alors, on va remettre là. Voilà, c'est pas ça. Donc voilà, j'ai terminé la tête. Maintenant, il faut que tu plies ça. Non, tu plies un tout petit peu. Voilà, tu peux la poser maintenant. Maintenant, on va s'attaquer au thorax. Alors, j'en prends un comme ça. J'en prends un autre. Attends. On a ça, des petits trous à enlever. Deux trous à faire. On va y s'en mettre. Vas-y. Ça va. Il est bien dessus. Centré. Là. Oui. Maintenant. Non, plus côté là. Voilà. On va prendre ça. Non, le plus papier, ça va s'arranger. Ouais. Bien. On laisse ça rapide. C'est bien. Non, pas tout, pas tout. C'est ça là. On enlève les derrière. Vas-y, tiens-le comme ça, ici. Non, là, pour que je puisse mettre ça. Alors, voilà, c'était le trou. Attention. C'est. Voilà. Ensuite. Alors, on va céder la petite vidéo PandaCraft sur YouTube, leur chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et à liker ces vidéos. Alors. D'accord, donc ça c'est mis. Comme ça. Donc ça c'est plié. Voilà. Ensuite, nous allons retourner. Alors, comme ça. Tu vas devoir prendre ça ici. Et plier quoi. Mais tout plié. Comme cela là. Non, attends. Fais un truc comme ça. Et ça. Je vais le tirer. Ok.
C'est non, faut pas t'oublier. Voilà. Ensuite. L'abeille. C'est comme ça. Maintenant, il nous faut des boutons. Ensuite, des boutons. Oui, il faut fermer. Tu vas les accrocher au dos. Je les ferme pas. Attends. On va faire comme ça. Alors là, on a fait le thorax de l'abeille. Donc là, on lui remet sa tête. Ben, ça, je crois qu'il faut aller comme ça. Alors, on a fini. On a terminé la petite abeille. Le thorax, on a terminé. La tête, le thorax. Maintenant, on va s'occuper des ailes. Vas-y, ici, mets les boules. Voilà. Ensuite. Alors, là, on s'est déjà occupé des ailes. Donc, on va les faire mettre en même temps. Voilà, les petites ailes et les grandes ailes. Voilà. Ensuite, que lui il a fini les petits bouts. Ensuite, la baille, il faut que tu ouvres. Que tu prends les petits embouts là. Vas-y, bon. Celle-là. Oui. Je vais en prendre combien? L'abdomen. Voilà, je me suis occupée de l'abdomen. Alors, je vais rejoindre 17 et 17. Voilà. 19 et 19. Alors, maintenant, on va s'occuper de la pterygite. Il faut le T1. Celui-là. T1. Donc on va plier les pterygites, donc non, de ce côté comme ça, sur les traits bleus. Voilà. Voilà. Maintenant il faut que tu passes pareil avec la 3, la 4 et la 5, il n'y a pas la 2, c'est normal. Attends. T'as la 3? Ouais. Tiens. Et la 5. La 5. La 6. Maintenant, il nous faut l'extrémité pointue. Je peux pas plier ça? Non, attends. Si, un petit peu, s'il te plaît. Non, non, pas là, il est posé de l'ouvrir. Tu mets le trait 3 et le trait qui est là, tu alignes ce trait là. Donc là, en bas, on a mis, en bas, on a mis le T1, on l'a aligné au premier trait qui venait marron, donc juste ici. Ok. Donc voilà, maintenant on va refaire une vidéo pour la carte. Voilà.
on a vu mettre le T4 ou le T7. Maintenant, on voit. Prépare des... Donc voilà, donc on a mis les tergites. Maintenant, on va rentrer ça dans le derrière. Dans son dard, je pense. Voilà, donc le dard il est juste ici. Non, c'est pas pour le vrai. Ensuite, nous allons. Donc je regarde notre petite vidéo par la craft. Alors là, Cassie va nous relier. Donc ça ici, bah, elle va nous faire les contours ici. Ça, elle va pas mettre ça. Vas-y, ici. Pendant ce temps-là, je regarde notre petite vidéo par la craft. Bah tiens, ça y est. On va mettre ça. Alors, d'après la vidéo pour la craft, nous allons prendre ça et le mettre juste là. Attends. On a vu ça, on va les mettre. Je suis sur le côté. Ouais, c'est le côté. Attention. Prends le T5. Ça va pas ici, ça? Regarde. Le tien. Non, T5, tu vas mettre comme ça et ce trait là. Donc, là, Cassie a rendu le trait bleu au petit trait ici. Donc voilà, donc Cassie l'a fait. Ensuite. Tu vas faire celui-là en dessous, comme ça. Ouais. Non, non. Comme ça. Comme ça. Attends. T'es sûr que c'est pas comme ça? Attends. C'est comme ça. Voilà, donc ça ressemble à ça. Alors, maintenant tu vas prendre ça, à part toi, tu vas prendre ça, et moi je vais prendre ça. Attends, pas tout de suite. Tu m'as oublié de mettre. Et là, maintenant, on va s'attaquer au plus gros, on va assembler l'assemblage final. Alors, on va regarder.
maintenant, il nous faut encore les espèces de petits boutons, s'il te plaît. Il y en a ici et là. D'accord. Voilà. Le petit bouton, on va le mettre. Attendez, ça charge. Voilà, donc là, on s'occupe de l'assemblage final. On a fait la tête, le thorax, la tige et le dard qui est là. Donc maintenant on va passer à la dernière étape. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de vous abonner, de mettre un gros pouce bleu et surtout appuyez à la notification si vous voulez plus de vidéos. Bye!